Bonjour à tous. Eh bien voilà, je vous ai montré les petites vidéos de 10 secondes sur le petit déjeuner. Donc on a pris le petit déj à 6h. Là, on a déjà fait 2 km, on est sorti de la ville. Et donc on va faire une étape de 18 km aujourd'hui jusqu'à Miramont-Sensac. Donc bah écoutez, pour l'instant c'est un peu couvert et tant mieux parce que la nuit a été très très chaude. Je pense qu'on n'est pas descendu au-dessous des 30. Dans la chambre en tout cas, et à l'extérieur, il n'y a déjà pas d'air à 7h du matin. Voilà, et bah écoutez, à tout à l'heure. Je vous montre les images que je trouve sympas, comme d'habitude. À tout à l'heure. Donc voilà, on était au bord du lac du Brousseau. Et donc bah, j'ai pas pu le filmer, mais je me demande si c'était alors soit un castor, soit un ragondin, je sais pas. Mais j'étais pas très effrayé, mais bon, il était loin quand même. Bon allez, fois n'est pas coutume, on repasse sous les jets d'eau. Voilà, même à 8h moins le quart, ça fait du bien. Je vous avoue que j'attends qu'il retourne. Vous êtes des poules mouillées! Il y a la poste derrière toi. Le voilà, le voilà, le voilà. Au-dessus de moi. Ah ça y est. Ah si ça sert pour les maïs, ça sert pour les pèlerins aussi. Bon, eh bien, écoutez, ça fait quasiment 9 km. Il est 8h30, Fabrice, c'est ça? C'est ça, oui. Bon, voilà, je me suis pas trompée dans l'heure aujourd'hui. Bon, écoutez, il fait chaud, hein, mais on est quand même mieux. Il y a un peu de vent ce matin. Mes deux comparses me suivent. Et là, bah, on traverse comme hier des champs de maïs et des grandes, grandes, grandes lignes droites. Voilà. Écoutez, pour l'instant, on tient le rythme, on a déjà fait la moitié de notre étape, normalement. Voilà, allez, on tient bon. Voilà, on a fait presque 11 km. On a fait une petite pause casse-croûte pour se requinquer un petit peu. Et puis, ben, normalement, il ne nous reste que 7 km. Le soleil sort, mais en tout cas jusque là on n'a pas eu trop trop chaud, donc sincèrement ça a fait du bien de faire ces 11 km sans chaleur. Ben, les ampoules se réveillent un petit peu pour Mireille et Fabrice. Moi les douleurs sont là, mais j'arriverai à Navarinx comme prévu et voilà, je gère la douleur. C'est pour ça qu'on va pas faire plus de 20 km chaque étape jusqu'à Navarinx. Voilà, voilà. Allez, on continue. Bon, bah voilà, on est à 12-13 km de marche. Et là, on est content, on vient enfin de quitter des kilomètres de bitume. À part les 15 minutes au bord du lac de Brousseau, là, sortie de l'air sur la Dour, bah, par là on a vraiment eu que du goudron et des lignes droites et des maïs. C'est vrai que depuis deux jours les paysages, je filme pas forcément beaucoup ni je prends pas non plus trop de photos,
parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à vous montrer à part des maïs et du goudron. Donc voilà, bon, c'est une portion du chemin qui est comme ça. On va bien retrouver des petits sentiers à un moment ou un autre. Allez, là, du coup, on sera sûrement avant midi dans la petite ville de Miramont-Sansac où nous allons dormir ce soir. On va pouvoir faire une après-midi repos. À tout à l'heure. Bon, bah nous voilà arrivés à Miramont-Sansac. Alors tous les sacs on les pose ici, parce qu'à Miramont-Sansac, on ne prend pas de sac. Ah, elle était facile, mais elle était très tentante. Non Fabrice, il faut continuer à porter le sac. Ah, putain. Ah Mireille. Bah, moi c'est Fabrice qui a dit qu'il allait porter le mien. Alors. Ouais, mais là Mireille elle rêve en fait, elle croit qu'on va lui porter son sac. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Mireille elle a renvoyé sa tente. Alors, elle se sent légère, légère. Elle vole. Elle vole, exactement. Bon, bah là, écoutez, on arrive en entrée du village. Et une fois n'est pas coutume, nous allons chercher un café. Et on va se boire quelque chose de frais. Dans l'église ? Donc voilà, là on est derrière la mairie de Miramont-Sansac. Et donc notre petit gîte est là, communal. Donc, bah, vous voyez, il est midi, on s'est déjà installé. On a l'étendage là-bas pour étendre notre linge. Bon là je ne vais pas trop parler parce qu'il y a les accueillants qui sont en train de préparer leur repas, ils ont des invités. Voilà, le petit accueil. Dépôt des bâtons, des chaussures. Donc voilà, là il y a le salon, je suis désolée, j'ai coupé la vidéo parce que je ne voulais pas déranger. Et donc nous sommes ici à la chambre Sirius. Voilà, Fabrice est en mode repos, on va manger dans un petit moment, on passe déjà tous à la douche. Et voilà, on a chacun un petit lit en bas. Moi, vu l'état de mes jambes, je suis incapable de monter sur le haut du lit. Voilà, je ne vous cache pas que c'est compliqué, je boite, je sais pas, ça ressemble un peu à une déchirure musculaire, je ne sais pas. On va essayer de se mettre de la crème, il y a un monsieur ici là, qui est médecin, il me dit c'est repos, 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 donc bah écoutez, on va faire ça. De toute façon, le petit village de Miramont est tout petit, donc ça va se prêter au repos cet après-midi. À plus tard. Vous voyez, ça fait partie de la colonie du Perlin, la petite lessive à la main, à l'ancienne, comme ça au moins, ça nous remet dans l'ancien temps. Et bon, voilà, ça fait partie du charme du chemin. Et après, c'est Fabrice qui va l'étendre. À plus tard. Bon, et voilà, après la lessive, Fabrice travaille et étend le linge. C'est un travail d'équipe, hein, sur le chemin de Compostelle. Il faut. En tout cas, ça va vite sécher, hein, vu la chaleur.
Oui, bien bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, ça y est, on a pris notre repas au gîte. C'était super sympa comme soirée. En plus, bah, c'est un gîte communal. Donc là, on a tous fait la vaisselle ensemble. Enfin, voilà, c'était vraiment une chouette soirée. On est accueillis par Ricardo et Catherine. Voilà, qui sont hospitaliers. En fait, le gîte est... En fait, c'est les hospitaliers qui viennent une semaine ou 15 jours et qui se relaient. Donc voilà, c'était très chouette. Donc ben là, on a un petit peu de vent ce soir. On pense qu'on va passer une meilleure nuit que la nuit dernière. Bon, Fabrice a toujours des vilaines ampoules. Je pense que ça va être compliqué pour lui demain. Ça va le faire. Et puis ben, moi, ben, je vais continuer à boitiller. Là, ce soir, ça va mieux que l'anti-inflammatoire. Mais demain, on verra. On a 18 km. Et pour petite info, hier, il faisait 48 à Ayres-sur-Adour. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de la chaleur dans laquelle on marche. Enfin, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, qui n'est pas très très longue ce soir, vous a plu. Et puis, ben, on vous dit à demain. À demain. Pour de nouvelles aventures. Donc, demain, apparemment, on va commencer à arriver dans le Béarn. Hein. En fait, dans les Landes, on y reste très très peu. On va vite passer en Loire-Atlantique. Voilà, voilà. À demain. Allez, à demain.